là, ma vie est vraiment hyper intéressante. Ah, mais j'en peux plus de moi, putain. Merci, Charlotte. On est samedi soir. Le samedi, c'est un peu le début de la semaine, je pense. On va au Spinnerei Rundgang, c'est une grosse expo. Et donc, c'est ce soir, donc on y va. Pour la faire très courte, j'ai commencé par l'expo de mon pote Nate. On n'a rien fichu. Après, j'ai vu une petite expo, comme ça, vite fait. Gros karaoké en allemand. Petite expo encore. Et ensuite, pour la fête. Gyoza, ton maison. Qui sait faire les gyoza? Moi, je savais pas. Avant de trouver des petits papiers à gyoza au magasin. Bref. Merci Charlotte, c'était inutile. On est pris. Est-ce que ça a pas l'air d'être le meilleur repas de la planète? Je sais pas pourquoi. En plus, j'ai toujours détesté la vidéo et la photo. Mais là, en ce moment, j'adore. Donc j'en profite parce que j'ai plein de trucs à apprendre. Donc là, c'est une petite animation de moi à la fenêtre de l'école qui fume ma clope. Et donc ce magnifique truc, c'est parce que j'ai prévu de faire vraiment beaucoup de vidéos, autant y aller à fond. Et donc je voudrais faire un générique. Là, je pense faire un deuxième petit shot d'animation ce soir. Là, c'était vraiment le meilleur moment pour se poser des grandes questions. À quel point est-ce que je suis crédible si je fais la guignole sur internet? C'est le lendemain matin. Hier soir, je me suis endormie en faisant du montage. Il devait être 2-3 heures et là, il est genre moins de 8 heures. Mais la chance est avec moi. Je suis en pleine forme. En fait, ça vaut grave le coup de se lever ce matin. Parce que le mercredi, j'ai mon cours de lithographie que je ne louperai pour rien au monde. Update. Je suis de retour dans ma chambre. Vous avez vu mon t-shirt, c'est moi qui l'ai fait quand je faisais une marque de t-shirt. J'ai fait 3 t-shirts, mais peut-être j'en referai. Je sais pas. Oh mais c'est trop bien, je vais faire des trucs avec mes mains comme ça. Est-ce que genre, je voulais faire du feu comme ça. En fait, j'arrive pas à faire le truc des flammes parce que je crois que dans iMovie, je peux pas et utiliser des effets avec fond vert et les déplacer dans l'image. Donc on a des flammes au milieu. Et ben c'est très bien comme ça. Voilà. Ah oh, mais j'en peux plus de moi, putain. Je devrais éteindre ma caméra. On va faire ça. Mon corps m'envoie des SOS. Je viens d'arriver à la maison. J'ai rien filmé. Non, j'ai à peine filmé dans le train, j'ai pas filmé dans le métro, j'avais mis le sac. Mais la meuf qui avait trop envie de faire pipi en arrivant et qui a juste tout jeté par terre, c'est moi. J'ai failli me cogner à ma table. Je viens d'avoir une idée incroyable. Dans ma tête, ça a l'air incroyable. Est-ce qu'on va mettre les lunettes? C'est un peu stylé avec les lunettes. Ok, je filme, j'ai rien à dire. En fait, je voulais trop faire une vidéo en mode wow, welcome back to Paris. Bah, c'est un peu chiant, nul. Aucune envie de faire une vidéo comme ça. Donc, j'ai rien filmé depuis hier soir. Bon, ça va. Et du coup, je m'auto-fous de ma gueule. Bon, c'est bon, je me suis motivée. Ready to go. Ce soir, je vais à un vernissage. Dans le 18e. Du coup, là, je vais aller acheter des bières pour qu'on ait de quoi faire, pour qu'on se prenne pas la tête. Voilà. Donc là, si t'as pas compris, c'est une pub pour le jeu de société du Catan et c'est un super jeu de société. Donc si t'y as jamais joué, et ben tu peux venir jouer avec moi parce que j'adore jouer au Catan. Ok, je viens de décider que le meilleur moment pour vlogger, la caméra est mieux dans l'autre sens.
Ouais. Quand je me lave les dents avec mon dentifrice au charbon, et quand je me couche, je suis toute noire. Franchement, c'est ridicule. C'est pas que j'aime celui-là, c'est que j'en ai pas d'autres. Et là, ma vie est vraiment hyper intéressante. C'est très moche. C'est vraiment pas très esthétique. Ça pourrait peut-être être cool, mais là, c'est pas très cool. Hein. Du coup, là, il est 7h du matin. C'était hier mon truc à la con avec le dentifrice. Donc, j'ai pas beaucoup dormi. Je vous montre mes chaussettes et je vais au sport. Et après, j'ai une grosse journée. Ça va être incroyable. Et là, ma préoccupation principale, c'est que j'ai trop faim. J'ai trop faim. Et je sais que j'ai pas à manger. Et j'espère que je vais trouver à manger. Moi, j'ai totalement.